that, right? So I wasn't into athletics or anything like that. I didn't play sports. Tried to play a little league, but I was terrible. I sat bench most of the time. Every once in a while, they took pity on me and threw me out in left field. I come from a working class part of London, and there are no geeks in these working class areas in London. You know, you are expected to fight and beat people up, and you know, and drink underage, and that's it. And if you were to tell these people that you liked The Day of the Triffids or Lord of the Rings or Star Wars, they would have cut you, you know. So you had to keep your geekdom, we call it under a bushel, you know. Moi, c'était un peu différent vu que je rejetais en fait les autres. C'est-à-dire qu'au début, j'avais vaguement essayé de discuter, mais quand j'étais en sixième, j'ai discuté de physique quantique, hein, et j'ai pas trouvé beaucoup de monde avec qui en parler, donc c'était un peu compliqué. J'ai pas de souvenir de gens qui aimaient autant que moi lire les comics, avec qui je pouvais en parler, voilà, avec une vraie passion, comme un geek. Tu te souviens, la page 27, quand Colossus lance Serval, ouah, c'est génial. Et puis là, il a l'air super horrifiant, et les dessins de John Byrne, ils sont mortels. Et j'étais un peu seul. J'étais vraiment un extraterrestre, parmi les extraterrestres. Il a fallu beaucoup d'années avant que je commence à rencontrer des filles qui aient le même genre de centre d'intérêt que moi. Par définition, c'est un univers masculin, qui ne devrait pas l'être, mais qui culturellement l'est. Mais j'ai l'impression que c'est en train de changer. It would be one thing circa 1984-85 to tell a chick, like, I love Ghost Rider, you know, and they're like, what is it? And I'm like, it's a dude on a motorcycle who his head turns into a flaming skull and he rides in the spirit of vengeance. And, you know, and you'd never get a hand job. Moi, si je dois draguer une nana, je vais pas lui dire que j'ai passé 2 ans et demi sur World of Warcraft, sinon je sais que c'est mort. Ça, y a pas photo, mec, c'est clair. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de copines, mais elles sont en JPEG ou en PNG, ou même en avis. Quand on rencontre les filles, en général, on arrête les comics. Ou en CD. Nous, on a réussi, enfin, je parle pour moi, à négocier ce virage difficile dans la vie d'un geek, c'est-à-dire ne plus être puceau et continuer à aimer Spider-Man. Ah bon, on n'est plus puceau. Mais rassure-toi, il paraît qu'au bout d'un moment, ça revient, donc peut-être l'es-tu à nouveau. Merci. Le geek ou le nerd ont encore l'image du puceau, du mec à bouton, qui sait pas se débrouiller avec les nanas. Ben, à la base, hein, c'était quand même les nerds. Et à la base, les nerds étaient des gens rejetés, des gens timides, des gens pas aisés. Donc, pour qui c'était pas facile, la sexualité, pour qui c'était tabou. Mais je ne suis pas frustrée. Je ne suis pas frustrée. Non, je ne suis pas frustrée. Ce qui retarde un peu ça, c'est la déception. La déception de... Du monde sentimental. Le monde sentimental qui est peut-être pas toujours à la hauteur d'un film. C'est pas toujours à la hauteur d'un manga, quoi. C'est plus fade. Il y a un autre phénomène aussi, c'est que ça peut aider d'être moche pour avoir le temps de t'intéresser à ces choses-là. Parce que à l'adolescence, tu perds ton temps à courir les gonzesses. Ça demande énormément d'énergie et de concentration. Tout ton cerveau est en action pour ça. Et le type qui est moche comme un pou et qui c'est clair, c'est même pas la peine qu'il essaye, ben celui-ci d'avoir le temps, je sais pas, d'aller dans une bibliothèque, de découvrir les peintures de Gustave Doré et de réaliser que ça ressemble vachement à du Jacques Kirby. Quoi. Aujourd'hui, je pense qu'il y a autant de geeks qui baissent que n'importe qui. À une certaine époque, c'est évident. À une époque, c'était évident. Non, mais plus maintenant. The whole thing sounds like you could have easily just replaced the word geek and any gay. Gay, yeah. To that entire monologue. It's sort of like, yeah, when I grew up, you know, I was expected to like football and stuff, and I just knew that there was something else in life. I knew that there was a geek inside me struggling to get out. En fait, ça partait d'un peu d'un délire, on se disait, bon, c'est quand même bizarre, on regardait les Sentai japonais, on était tous assez passionnés par ce genre de choses, et on se disait, mais c'est quand même bizarre, c'est toujours au Japon que les méchants arrivent, que les méchants attaquent, et en France, on n'a jamais de méchants, mais si jamais un jour les extraterrestres arrivaient et attaquaient la France, il faudrait bien qu'on ait des super-héros, des Sentai français pour nous sauver, d'où l'idée de France 5. C'est donc ça, les tout-puissants France 5. Ne crie pas avec toi trop vite! France 5! Transformation! L'idée à la base aussi, c'était que de se dire, si jamais des Japonais voient ça, qu'ils comprennent qu'on a vraiment aimé. Qu'on n'était pas dans le trip comme les inconnus, jaune devant, marron derrière. Et qui est en ping. Yeah.
particularité du groupe des geeks, c'est de ne pas vouloir grandir. C'est peut-être un des groupes générationnels qui veulent moins grandir sur nous. Bah écoute, moi je vois la chose là, tu vois, franchement celle-ci elle est belle quoi. Rien à voir avec le film. Voilà, tu vois, là c'est la chose telle que je la conçois. On n'est plus dans le domaine de la figurine propre, quoi, quand t'as un truc comme ça. Faut avouer que bon, bah c'est beau. À la limite, je vais pas te le cacher, mais tu dis des fois t'as la figurine en toi et tu t'amuses à faire le con avec. Moi je veux tout. C'est de Galactus aussi. Je veux une femme. Moi aussi. Une vraie, hein, pas en figurine ni en buste. Montre-nous ce que t'as acheté. Mais je peux pas, ils ont fait des hanches. Non, il peut. Regarde. Non, je t'ai. Voilà. Regarde. Bon, le personnage est bien foutu, hein. Mais c'est un Ronan. C'est moi. C'est Pena. Alors, première question, comment tu fais quand t'invites une meuf chez toi et qu'elle voit ça? Elle va se barrer en courant. C'est intéressant, tu vois, si elle reste, il sait que c'est la femme de sa vie. Exactement. Quand t'as un produit comme Bob l'éponge, par exemple, qui est fait spécifiquement, a priori, pour les gosses qui passent sur le matin à la télé, etc., qu'est-ce qui fait que cette série-là, tu vas la retrouver dans la DVD tech d'un geek sur deux, d'un trentenaire, voire d'un cabra, si tu vas chez un mec à ton âge et qui a Bob l'éponge, tu sais, d'emblée, il n'y a pas tortillé du cul pour chez le roi. C'est un geek. C'est pas un geek alors, ouais. C'est pas Bob l'éponge. non mais bon, tu y viendras. Cosplay à la base étymologique, c'est la contraction typiquement japonaise de deux mots anglais, costume playing. On peut voir plein de sens à ça, mais c'est en gros, c'est se faire plaisir en se costumant. T'as l'araignée, là, t'as la migale. Je sais plus comment faire que je fasse le nœud. C'est chiant, ça. En fait, c'est un super chaud, cette merde, parce qu'il y a du métal, il y a une plaque de mousse qui fait un peu isolant. Donc en fait, je maigris du front. Il est génial aussi. C'est toi qui l'avais complètement réalisé toi-même, celui-là ? Non, ça c'est Cospa, ça. Cospa ? Cospa Japon. D'accord. 75 euros. T'as vu, on a ramené aussi un Venom. Ouais, c'est un symbiote, quoi. Ouais. C'est un symbiote, ouais. Le problème, c'est qu'il aurait dû avoir... Tu l'avais fait, toi, une époque, ouais. Le Venom noir. Seulement, c'est que c'est con, hein, de mettre le truc là, ils l'ont mis là. Discussion de Spider-Man. C'est la régression, honnêtement, je sais pas, parce que c'est est-ce que se faire plaisir, est-ce qu'oublier un peu ses problèmes et être dans son bain, c'est être régressif? Bah si en parlant du bain, c'est une façon symbolique de revenir à l'enfance. Pourquoi pas? Mais pourquoi? Parce que c'était une période qui était agréable et où on n'avait pas de soucis, quoi. Mais c'est beau de ne pas vouloir grandir. Moi, c'est les gens qui acceptent foncièrement de ne pas vouloir grandir sont des gens que j'aime beaucoup. J'ai une grande tendresse pour ces gens-là. C'est souvent curieux de voir ce que ça donne d'avoir chez les autres. Moi, je l'ai vu, d'avoir des enfants quand on est geek. Avoir des rapports avec les enfants, c'est attendre aussi qu'ils aient l'âge de jouer au même truc que vous. Quand on a des enfants et des ados dans une famille, souvent, on a un problème de communication parce qu'on est de générations différentes. Et ce lien jeu vidéo est assez utile en tant que parent parce que c'est un sujet de conversation qui va en amener d'autres et qui va ouvrir sur le monde. Et c'est rare de pouvoir avoir entre les générations une même passion. C'est assez spécial avec ma mère vu que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, elle est sur Internet, elle joue à des jeux, elle crée des serveurs de jeux, elle a une activité... assez geek. À la base, c'est quand même elle qui m'a lancé là-dedans, qui m'a laissé programmer il y a 3 ans. Je peux pas imaginer une vie sans ordinateur, là, actuellement, c'est impossible. Le matin, il faut que j'aille vérifier mes mails, vérifier que tous les serveurs vont bien, discuter avec 2-3 personnes avant de partir au boulot.